Alors, sans hésitation, c'est Émile Zola. J'ai été bercée, j'ai été élevée à ses livres depuis mon enfance parce que ma mère était une passionnée. À 13 ans, j'avais lu la moitié des Rougon-Macquart et je les relis pour le plaisir, encore parfois aujourd'hui. Donc, mes préférés sont L'Assommoir, Germinal, des grands classiques, mais aussi des moins connus, tels Une page d'amour. J'ai un petit peu moins aimé La bête humaine. Au bonheur des dames aussi était. Coup de foudre immédiat avec le volume précédent qui s'appelle Peau Bouille. Oui, donc en fait pour moi c'est une référence en matière de littérature.